Bonjour à tous, au menu une 208 rallye de route et la vidéo auto la plus vue en 2012. Avance la Toyota, on passe de redevenir numéro 1 mondial. Toyota a de grandes chances de terminer 2012 avec les lauriers de premier constructeur mondial, un titre qui lui avait échappé en 2011 au profit de General Motors. Son concurrent américain, tout comme le groupe allemand Volkswagen, ne devrait écouler cette année qu'entre 9,1 et 9,2 millions de véhicules. Des chiffres qui, s'ils venaient à se confirmer, laisseraient alors Toyota caracoler loin en tête. Le japonais annonce en effet 9,7 millions de véhicules vendus sur la planète, soit un bond de 22% comparé à 2011. La 208 Rallye, vous connaissez ? Rien à voir avec la furieuse bombinette engagée en championnat sur Terre. Il s'agit ici de rendre hommage à la mythique finition lancée à l'époque sur la 205. C'est un concessionnaire Peugeot du Mans qui a eu l'idée de proposer ce pack exclusif. Facturé 800 €, il comprend les fameux stickers rouge, bleu, jaune, un badge rallye en lieu et place du traditionnel 208, des jantes ainsi qu'une console centrale laquée blanche. Sous le capot où les insonorisants ont disparu, on fait appel au 1 litre 6 THP 155, de quoi mettre de l'ambiance dans l'habitacle. Lancée en septembre dernier, la concession Clara Automobile du Mans a livré sa toute première 208 Rallye le 24 décembre dernier, un joli cadeau de Noël pour l'heureux propriétaire. Philippe Boget, directeur de la concession, parle déjà d'une déclinaison en noir, on a hâte. Et à quand une série spéciale à l'échelon national, monsieur Peugeot ? En bref, dans quelques jours, Corvette dévoilera la 7e génération de sa supercar, une surprise que le constructeur américain a de plus en plus de mal à tenir. De nombreux dessins techniques ont déjà été publiés sur le web. Les plus récents nous présentent la poupe de la bête avec ses traditionnelles 4 sorties d'échappement. Également au programme, un aperçu du profil. La C7 s'affine nettement. Il faut dire qu'elle est plus longue et plus basse que la génération de 2004. Mais tous les détails nous seront révélés lors de la présentation officielle le 13 janvier prochain. On termine avec un classement amusant réalisé aux États-Unis. L'idée, connaître la vidéo automobile la plus partagée en 2012. Dans ce top 10 réalisé par l'Institut Viable Measure, c'est une vidéo Volkswagen qui rafle la mise. Diffusée lors de la finale du Super Bowl, comme la quasi-totalité des vidéos de ce classement, elle met en scène un chien, la nouvelle coccinelle et le mini Dark Vador, héros du Super Bowl 2011, souvenez-vous. Better than ever. Get up, get up. That was great. No, the dog is funnier than the Vader kid. Et les chiens ont drôlement la cote puisque la vidéo des toutous au volant réalisée par la SPA néo-zélandaise se classe, elle, 3e du chart, toutes catégories confondues. À demain.